Le président de la République, là, Excellence Michel-Joseph Martelly, après 2 mois de travail sans prendre souffle, et puis devant exigence population haïtienne, non, voulait continuer le travail pour un Haïti tout neuf, côté haïtien capable de vivre l'autre gens. Dans le dernier jour, le chef de l'État a redoublé le travail pour comment le processus de reconstruction pays a et changement de conditions peuple haïtien capable d'aller plus vite. Depuis le mois de juin, a crivé période cyclonique yo, dans la région. Président Martelly a rencontré responsable direction protection civile sous planification qui fait beaucoup de l'État avec strictes qui mettait en place pour protéger la population. Excellence-là a mis accent sur la nécessité qui gagne pour rendre le système non plus efficace. C'est peut-être ça, l'été profité pour rendre les tout dans cette opération urgence-là avec plusieurs camps pour assurer la participation citoyenne avec bonne coordination entre l'État et l'autre partenaire. Moi, je pense que c'était important pour nous passer, pour nous faire quelques recommandations d'une part, si nous étions loin de l'eau, rester dans les hauteurs, rester à l'abri, pas rester en bas qui est fissuré, parce que l'eau a porté maladie, devait dire nous tout, pour mettre nous en confiance que nous passions toute l'ordre que nous avons passé par les autorités compétentes, pour commencer à nettoyer la rue, pour commencer à curer, et par exemple, bois de chêne qui a écrasé la zone Capoua. Et si elle est dans la rue, on va aller avec le Poun, qui c'est centre d'opération d'urgence. Président Martelly n'a pas voulu faire bac devant un lien qui a ralenti le combat l'a mené pour changement peuple haïtien. Littéralement, jour 23 juin 2011, l'an, dans le lancement d'un colloque 3 jours dans le Plaza, sous adoption internationale Timoun. Devant représentants plusieurs pays, tant que la France, Canada et États-Unis, chef l'État a souligné nécessité pour renforcer le contrôle à conditions qui réglementaient la question d'adoption de Timoun dans le pays. Il était profité pour rappeler assistance là quelques règles convention la haie qui dit c'est Timoun qui cherchait parents adoptifs, c'est pas contraire. La conférence qui nous réunit aujourd'hui est essentielle. Elle touche à un sujet qui m'est cher, la protection de l'enfance. C'est le sens de ma présence parmi vous aujourd'hui. Je tiens à rendre hommage à la mobilisation très forte des pays amis et partenaires d'Haïti, mobilisation qui depuis le séisme du 12 janvier ne s'est pas démentie. Je salue les responsables des autorités centrales de l'adoption internationale qui nous ont fait l'amitié de venir nous rencontrer avec l'UNICEF et le bureau permanent de la haie pour nous accompagner dans un processus et une dynamique complexe, difficile et exigeante. Président Martelly continue à mettre accent sur la nécessité qui gagne pour tout le monde qui a l'école. Littéralement, dans le temps moi géant, dans le pont sondé, pour inaugurer l'école presbytérale et visiter le site de construction lycée Saint-Jean-Baptiste, un lycée moderne qui a pour permettre à tout le monde de recevoir une éducation qualité. On va commencer avec 150 enfants à la rentrée. 150 enfants, on a 50 enfants de la zone de Pont-Léocan et 100 enfants qui viennent en général de Saint-Marc. D'accord, mais on a dédié 30% des effectifs aux enfants de la zone. Sachant que M. Guinet, qui est là, qui est directeur d'école, M. Guinet, président Joseph Martelly, oui, Guinet, vous l'avez vu. Hein. Donc c'est lui qui a fait le recrutement, avec Corinne Lapierre qui était par ici, derrière, Corinne, qui s'est gagnée une adjointe. Et ils ont passé les 15 derniers jours à recevoir d'abord plus de 4500 personnes qui ont voulu s'inscrire à l'école et ensuite 450 enfants qu'on a sélectionnés un par un avec des tests pour en retirer la fin de 5 ans. Et en termes de mix démographique et sociodémographique surtout, on est à 80% vers les plus défavorisés. Dans la même joie, littéralement dans Croix des Bouquets, pour inaugurer le centre professionnel Michael Sylvestre, qui a bien pour l'offrir à plusieurs milliers de jeunes, formation dans le domaine mécanique, esport et ébénisterie. Création de cette formation professionnelle ministère Jeunesse et Sport, dans Croix des Bouquets, rentrer dans le cadre d'action qui doit être faite pour tout bon vrai sur tout le territoire pays d'Haïti. Cependant, monter les murs d'une école est une chose. Y dispenser un enseignement valable est une autre. C'est à la qualité de l'enseignement qui sera délivré au centre de formation professionnelle de la Croix des Bouquets que l'on jugera de la valeur de son apport à l'avancement de la communauté. À la direction, aux professeurs et aussi aux étudiants de faire la prévue qu'ils se veulent et se tiennent à la hauteur de ce qui est leur mission. Tous mes remerciements à tous ceux qui ont rendu cette réalisation possible. J'encouragerai la création
et l'installation d'autres écoles professionnelles à travers le pays pour que notre jeunesse puisse accéder à la formation, à l'éducation et avoir plus d'opportunités. Excellence là, Michel Joseph Martelly voulait continuer à encadrer et puis faire promotion toute initiative qui a permis de génie gagner profession. Il était inauguré un atelier construction bois avec un atelier électricité dans le centre polyvalent formation professionnelle Kafoua. Pour chef l'État, reconstruction était une des grosses priorités qui donc est important pour lui encourager formation ouvrier à cadre qui gagne bon niveau dans le secteur construction. Bien quelques années, tu as gagné un Kafou. La Maison Centrale des Arts et Métiers, qui te compte Banon et Bénis, Kouti Masson avec musique. Qualité technicien et artiste qui te sorti dans le centre, te bali bon réputation. Parmi gros techniciens et artistes, nous avons songé Fresico, qui te marqué musique haïtienne dans l'année 50. Kafou toujours marqué bon point dans les affaires enseignement technique. Moi content ouais tradition ça arrêté jam avec présence centre polyvalent formation professionnelle ça. Moi plus content toujours l'aime constater programme ya pofri qui correspond avec sa communauté à sa peuple haïtien besoin. Jodi a reconstruction c'est une plus gros priorité nous. Donc, il est nécessaire pour nous bien former ouvriers avec cadre de cap travail dans les constructions. Le même jour, il était rendu dans foi livre en folie pour supporter l'activité ça. Président et félicité organisateur et puis promet pour encourager toute activité qu'a faite pour encourager plus mon lit et puis écrit mon pays. Président de la République a été rendu dans Miami et dans New York, dans la communauté haïtienne diaspora, pour remercier eux, pour support eux, à programme éducation, et puis encourager eux à venir investir en Haïti. Voilà sa fête pour appuyer Fonds National Éducation. Il était profité de renouveler soutien à démarche compatriotes haïtiens qui a demandé double citoyenneté en façon pour impliquer au plus dans les affaires pays. La publicité a respecté nous pour appeler nos services. Président Pape Campé sous question propreté Vilio, Axipon Logistique Haïti Recovery Group, président Slan Tamé à travers un programme Lirele Ville Propre, nettoyage diverses zones dans Port-au-Prince. Bon, j'ai lancé le matin, jour dimanche qui 26 juin 2011. C'est une réponse qui était très, très appréciée. De collaboration tout le monde, on a gagné un groupe HRG qui accompagne nous dans le projet pilote ça qui a duré 30 jours. Si il y a un problème que, qui est important dans le pays, je veux dire, c'est le problème d'assainissement, de ramasser le pacard dans le pays. Si il y a un problème qui plus problème à président qui fait le pacard de nuit, ça c'est une ladeur, c'est le problème fatra qui empêche la population à vivre, respirer et puis tomber malade. Secteur agricole là important en pile pour chef l'État. Pour encourager les paysans et puis commencer à processus pour relancer le secteur agricole là. Excellence là, Michel Joseph Martelly, t'es lancé dans les organes, c'est l'île production agricole là, CEPA. Dans l'occasion ça, président République là, cap gain pour créer banque crédit agricole à travers tout pays là, pour mettre l'accompagner CEPA à toute l'autre association paysan dans 10 départements pays là. Moi là, je dis là, pour reconnaître CEPA, CEPA qui sont gros mouvement. Au point que, moi arrivé là, moi m'étais à brabourer, nous allons planter
Son seul bagage m'a dit. De faire campagne, de promettre relance agricole là. Son seul bagage m'a dit, tout ça nous besoin de viser pour l'agriculture, m'a poté le ballon. Pendant temps ça, premier dame nan Sofia Martelly a travaillé beaucoup côté président dans pote coller dans question sociale. Dans Port-au-Prince, il était visité tout asile communal là dans rue ce matin pour connaître situation grand monde ça yo. Pour une dame nan sensible en pile sous problème grand moun yo qui lui même besoin attention génio si pour yo. La géographie n'a pas trois mal, et pas trois mal, pas grave. Monsieur Lira François, et Madame Présidente, Monsieur Delimas, Madame, merci. Mais donc ce problème non, ça la madame. Tout le monde gèle, tout le monde gèle vraiment. Dans le Caribe, premier dame non, Sofia Martelly, Techita, professionnel santé, sous stratégie pour permettre population haïtienne non, gain accès à la santé, financement soins, et puis dynamiser CCM non, pour permettre plus résultats de réponse à maladie. Yo. Je l'avons supporté toute action qui pourrait amener à une amélioration du système sanitaire en Haïti. Dans le mois de juin, le président fait diverses rencontres dans le palais avec quelques acteurs qui travaillent dans la cause de développement au sinon sécurité en Haïti. Dans le Jita Palais, avec le nouveau chef ministre, Mariano Fernandez Amunateki, Excellence l'a demandé nouveau responsable là pour mettre le haut travail dans le cadre de mission et puis faire preuve présence bon côté police nationale là, et une façon pour combattre plus bien le phénomène banditisme dans le pays. Il a demandé nouveau responsable ministère pour canaliser ressources et moyens sous GFOR développement et reconstruction pays. Je viens de commencer mes missions, non? Il y a 15 jours exactement. Et je crois que la ministre a fait un bon travail. On voit en même temps qu'il a été progrès, parce qu'il y a un président de la République bien élu, il y a un parlement, on négocie sur le gouvernement, et alors. Et ce sont signaux, je dirais, qui vont tout dans la direction correcte. Et c'est ça pour nous très important, c'est ce que je peux dire aujourd'hui, parce qu'une évaluation plus profonde de notre travail, je le ferai plus avant. Président République l'a profité pendant le travail pour jouer un résultat en faveur des Haïtiens, décorer plusieurs monde qui baillent en pile coup de main dans la cause Haïti. L'été offrit un plat honneur et mérite à ancien ambassadeur argentine dans Port-au-Prince et puis décoré PDG Digicel là, Denis O'Brien. Dans tout combat ça, la presse retait pour président Martelly en priorité. Livrer chaque jour plus, améliorer les relations et puis encourager la presse là mettre Haïti devant dans tout ce qu'elle a fait. Dans l'appartement privé dans le palais national, Excellence là, Michel Joseph Martelly t'a rencontré avec patron média yo, sous qui Jean yo capable de travailler avec présidence là pour sauver pays ya. Les veut soutenir travail la presse là, encourager liberté pour exprimer yo. Monsieur Martelly quoi, c'est celle yo climat fiable qui a assuré investisseur étranger yo à tout le monde qui a choisi vivre ou sinon investir en Haïti. Nous souhaitons tout le monde qui là, tout organe presse yo, tout représentant là yo, souhaiter au succès. Et je souhaite que vous compreniez que dans moi-même, il y aurait si grands amis vrais. Mais si grand nègre qui t'a aimé que la presse là, vienne une institution solide, c'est moi-même. Chef l'État continue à sensibiliser hommes d'affaires secteur privé. Dans une réunion préparatoire à l'État généraux forum économique secteur privé, qui a pu faire en octobre, président Martelly partage volonté de gagner pour faciliter le dialogue public-privé. Dans l'idée pour aboutir à un partenariat plus efficace qui a porté fuit pour les Haïtiens. L'irrité quoi secteur privé, c'est un partenaire important pour le pouvoir public là. C'est pour ça qu'il invite pour soutenir GFOR l'État pour capable sortir pays dans la difficulté économique ça.
Je mesure l'importance de cette rencontre qui vient à point nommé dans un contexte où l'économie nationale ne s'est jamais portée aussi mal, mais aussi où les opportunités n'ont jamais été aussi intéressantes et prometteuses. Les défis, nous le savons, sont impressionnants. Le pays est de plus en plus dépendant de l'extérieur pour régler le moindre petit problème. Les systèmes de production traditionnels, que ce soit dans l'agriculture ou dans l'industrie, se sont effondrés. Par exemple, le poids de l'agriculture dans la production nationale a diminué de moitié au cours des 30 dernières années. Même chose dans l'industrie. Les emplois perdus n'ont pas été récupérés ailleurs. Si le poids relatif des services a augmenté, ce secteur n'est pas encore un modèle de productivité si l'on excepte les services bancaires et les progrès récents importants, mais insuffisants dans le domaine des technologies de communication. Tout ce qui est fait, pas vle dit en yé, si haïtien pas reconnaître yo fait youn, si mentalité yo pas changé. Depuis entrer dans tête l'État, président Martelly encourage tout haïtien respecter drapeau yo. Chaque matin, il encourage chaque citoyen participer dans monter drapeau. Il déjà participé avec la presse et puis j'ai l'écolier yo dans l'image ça. Cette action, c'est pour vous rappeler que vous avez des devoirs envers la patrie d'une part et qu'il faille absolument respecter ce drapeau qui représente notre patrie et l'union du peuple haïtien. Quand on parle de drapeau, on parle de nous. Ça représente le peuple haïtien, ça représente la nation haïtienne. Et par le passé, on a été tenté d'oublier ce que ça représente et on n'a pas donné le respect qu'il fallait à notre drapeau. Donc, en preuve de en signe de symbolisme, ce matin, j'ai demandé que certains élèves, vous autres qui avez été là, ce matin qui avez participé, je compte sur vous pour faire passer le message. Le drapeau, c'est notre pays. C'est le symbole de notre patrie, de notre union en tant que peuple. Ok, c'est notre force. Après une première proposition, président Martelly te fin fait, que Parlement rejeté, chef l'État, après diverses négociations avec Parlement, à travers une commission, il te mettait sous pied, désigné un autre premier ministre pour mettre PIA sous rail. Il était quoi? C'est un citoyen conséquent qui a travaillé à CLI pour changement les promettre là. Je fais des promesses, mon rêve, mon vision, mon moyen. Et le 14 mai décembre, le 14 mai, le lundi, dans la soirée, je suis mon premier ministre. Je suis désigné M. Gérard Daniel Ouzier. Dans lundi, je n'ai pas du temps. Il prend 6 semaines pour le tomber. Le lendemain, il finit de tomber. Il y a 10 noms. Donc, pas de monde qui est plus pressé passé. Et dans 10 noms, ça, il est plus que démocratique. Ça, c'est super démocratiquement. La commission avec les parlementaires, dans 10 noms, il a retiré 7 noms. Il a retiré 7 noms, il a quitté 3 noms. Sambala. Sans pas forcer aucune minorité. Et l'homme tourné de sommet CARICOM nom de désigné officiellement M. Bernard Gousse comme prochain premier ministre pays. Entre-temps, le président a cherché déboucher tout côté. Il était en ligne en Espagne dans la première semaine GIA pour participer dans un forum d'affaires sur Haïti. Chef l'État a profité de la potentialité pays et puis rappelé engagement pour établir un climat stable qui a garanti investissement. Il a abordé diverses questions qui liées à de l'eau potable pour opter à construction logement dans le pays. C'est pour moi un immense plaisir et un honneur de partager cette soirée avec vous tous dans ce cadre magnifique qu'offre cette plateforme que représente le Forum de la Nouvelle Économie. Mes remerciements et mes félicitations vont à toute l'équipe qui a rendu cela possible. Je remercie également la secrétaire d'État à la coopération internationale, Mme Soraya Rodriguez, de l'occasion de nous recevoir ici et pour ces bons mots. Je sais que nous aurons l'occasion de collaborer et de travailler ensemble sur des projets qui ont une incidence réelle en faveur de nos peuples. Je veux ici lancer un vibrant hommage au pays hôte, aujourd'hui l'Espagne,
pour les engagements qu'elle a pris en faveur d'Haïti depuis une dizaine d'années, mais surtout après le séisme du 12 janvier 2010 et d'avoir toujours tenu parole. La réaffirmation, il y a tout juste une semaine, de cet engagement de l'Espagne à côté d'Haïti par la secrétaire d'État à la coopération internationale, Mme Rodriguez, me va droit au cœur. Pour toutes les raisons que l'on peut comprendre ici, Haïti attend beaucoup de sa coopération avec l'Espagne, qui est devenue l'une de ses plus grosses contributrices d'aide au développement. L'engagement de l'Espagne se manifeste à travers de nombreuses actions. Plus de 200 millions d'euros ont été décaissés pour la réalisation de nombreux projets, notamment ceux liés à l'eau et à l'assainissement. Ainsi, elle a repris la construction d'une usine de traitement des eaux, la première dans le pays, construction qui avait été paralysée dans les derniers mois et est, sans doute, essentielle dans la lutte contre le choléra. Le gouvernement espagnol finance également les travaux pour l'enlèvement des débris et le traitement de l'eau potable et d'assainissement au profit d'une bonne partie de la population de Port-au-Prince. Ou bien sûr, les 10 millions d'euros décaissés pour construire des écoles et des cours de formation et de soutien des enseignants sur toute l'île d'Haïti entre 2009 et 2010. L'Espagne intervient également dans les domaines de la gouvernance démocratique, la sécurité alimentaire et l'environnement. Ce sont des domaines qui cadrent bien avec les priorités qui sont mises en avant par mon gouvernement. C'est un signe de profonde gratitude envers ce pays que ma première visite en Europe en tant que chef d'État haïtien est l'Espagne. Je veux profiter de l'occasion pour exprimer les plus vifs remerciements en mon nom personnel et en celui du peuple haïtien tout entier à l'Espagne pour l'attention qu'elle a accordée à mon pays dans les moments difficiles que nous avons connus. Bien sûr, je dois aussi adresser mes chaleureux remerciements à vous tous du secteur privé des affaires et de la société civile espagnole qui vous êtes déplacés pour m'accueillir ici ce soir. Chef l'État a été rencontré avec le président gouvernement espagnol là, José Luis Rodríguez Zapatero, Majesté roi d'Espagne là, Don Juan Carlos de Bourbon, et Majesté reine d'Espagne là, Doña Sofia, ak divers gros personnages espagnols tant que président club football Real Madrid là Florentino Pérez sous diverses exigences population haïtienne il était invité entreprise espagnole yo investi dans pays a pendant la rappelé yo Haïti ouvri avec investissement faut que yo saisi occasion ça excellence là Michel Joseph Martelly rencontré jour lundi 11 juillet 2011 là ministre affaires étrangères brésilien Antonio de Aguiar Patriota pour discuter sur rapport coopération entre Haïti et Brésil et sur possibilité qui offre à tous deux pays. Même jour, il était rencontré avec l'ambassadeur espagnol dans Port-au-Prince, Manuel Hernandez Rigomes, sous opportunité pour commencer divers projets qui discutaient en chef l'État haïtien avec l'autorité espagnole pendant le passage en Espagne. Président Martelly voulait saisir différentes options que le gouvernement espagnol a offert à Haïti, parmi eux 50 millions d'euros comme promesse pour encourager ces entreprises à un système crédit dans le pays. Depuis le séisme, l'Espagne est venue le troisième pays le plus important dans l'aide à Haïti. Et résultat, réunion de travail, ça, après que nous avons revisé la coopération dans son ensemble, c'est des décisions que le président a prises pour lui allouer 50 millions d'euros à Haïti comme crédit pour petites et moyennes entreprises. Un corps qui pourra passer par la BID. Donc dès lundi, nous allons mettre des procédures en place pour qu'on ait qui gens que la privée n'a même petit commerçant. Mardi 12 juillet 2011, le président de la République, Michel Joseph Martelly, a rencontré le magistrat Montréal, Gérald Tremblay. Échange été fait sous importance autorité locale, décentralisation dans la reconstruction PIA, accipos sans condition président à projet coopération municipalité Montréal là, à quelques communes pays d'Haïti. Dans mercredi 13 juillet,
Chef l'État t'a fait un coup de pied dans Cité Soleil, Delma 2, quand je m'arrivais sans Cité Limier. L'ITOE a comité qui a géré Kansayo pour joindre ensemble avec yo manière qui est plus rapide pour déloger Mounio. Après ça, l'ITOE a visité Centre National Équipement, CNE, pour encourager le travail employé institution à fait. Je vais visiter l'institution pour m'aider tout le monde en confiance. Je vais vous dire que, en dans tête, il y a une incertitude, le fait que la présidence l'a changé et que parle bon nouveau gouvernement. Mais l'idée, c'est que tout le monde a travaillé. Tout le monde a bien travaillé. Nous n'avons pas besoin de changer. Donc l'idée, c'est pas pour nous quitter la transition, prendre tête, pour penser que bon nouveau gouvernement a venu et puis peut-être ça pour ne pas travailler encore, parce que pendant ne pas travailler encore, je pense qu'il va perdre du job là. Il y a pris tête dans une mauvaise position. Parce que moi-même, justement, qui fait venir, c'est basé sur la performance du monde, que je vais juger bon ou pas bon pour être position. Donc, je devrais rassurer tout le monde, parce que l'institution, nous des antiprésences, tout le jude est dans la tête. Et nous voulons que même si M. Célestin pas là, que l'institution est une institution qui est performante. Parce que ce n'est pas des jobs qui viennent, ce n'est pas des postes qui viennent, c'est on va faire du bail population en service, bail pays en service, donc n'importe qui est-ce qu'il a. Il faut que l'institution soit performante et c'est ça que nous voulons demander tout le monde qui l'a. Excellence, là, tu profites tout pour venir dans le Parlement, pour une visite courtoisie et puis montrer le livre de travail à tout secteur pour faire pays avancer. Dans l'après-midi, première dame nan lui-même t'est rencontré avec un groupe 4 femmes députées 49e législature sous divers problèmes circonscription yo a confronté avec ce principe quota 30% représentation femmes yo dans district l'état yo. C'est un moyen avec des budgets chargés, mais président a continué travail main en main pour Haïti changer. Victoire, c'est pas pour peuple là.